Bonjour les chéris, j'espère que vous allez bien. Je suis très très contente de vous retrouver pour cette vidéo aussi. L'air de dire que d'habitude je suis pas contente de vous retrouver pour une vidéo. Oubliez ça. Non, je suis toujours contente de vous retrouver pour une vidéo, mais je sais qu'ici c'est un côté un petit peu déballage surprise, donc du coup ça me rend un petit peu excitée comme une gamine. En fait, je vous retrouve pour un bon plan. Certains pourraient le qualifier de haul. C'est vrai que je vous montre des articles que j'ai achetés. J'ai un vrai problème avec ce terme haul parce que pour moi, c'est juste un petit peu vous montrer mon shopping alors que j'ai une vraie volonté de vous montrer un bon plan et de vous dire, bah, vous aussi, vous pouvez en profiter et faire des affaires. Donc le bon plan d'aujourd'hui s'adresse principalement aux Belges puisque les Français en profitent déjà. C'est de faire votre shopping cosmétique, tout ce qui est parfumerie et tout ça en France. Pas pour tout, on a beaucoup de choses en Belgique et elles sont parfois intéressantes, mais il y a certains produits qu'on ne trouve pas en Belgique. Et donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé, je vais vous dire à peu près combien ça coûte et donc je suis très heureuse de mes petites emplettes. On va d'abord commencer par le supermarché, parce que oui, on trouve des choses en supermarché. La première chose qu'on trouve en supermarché, eh bien c'est mon shampoing, que je trouve en Belgique aussi, mais que je dois acheter dans les enseignes spécialisées, c'est-à-dire chez Dee, et qui est plus cher en Belgique qu'en France. Je sais plus combien je l'ai payé, mais je sais que j'étais 4-5 euros en dessous du prix que je paye en France, c'est dire. Donc mon shampoing qui est pour cheveux colorés, parce que vous le voyez, j'ai des mèches noires et des mèches rouges et ça dégorge bien, c'est le Pure Color. Il est connu aussi sous un autre nom et je sais pas pourquoi, je crois qu'il y a une... sans doute une étiquette qui est plus récente que l'autre, c'est le Pure Color ou le Ever Pure, mais ça change rien du tout, j'ai comparé les deux, les ingrédients sont les mêmes, c'est donc des shampoings sans parabènes, sans sulfate, avec des huiles botaniques et tout ça. Donc j'irai pas jusqu'à dire que c'est des shampoings qui sont parfaits et sans rien, mais enfin je les trouve quand même beaucoup plus naturels que d'autres et c'est ce qui fait que j'ai les cheveux beaucoup plus brillants, beaucoup moins secs, je suis vraiment très contente. Ils marchent super bien, il faut absolument que je vous fasse une revue sur ces produits-là ou au moins un article parce que c'est un petit peu devenu ma routine capillaire et je pense que ça peut peut-être plaire à d'autres personnes. Moi qui ai testé plein de produits, bah cette fois-ci j'ai trouvé mes produits miracles et je compte pas les lâcher. À moins qu'ils les fassent plus, mais ça ce serait complètement ridicule. Donc ceux-ci je l'ai trouvé en grande surface chez Hyperu. Il y a autre chose que j'ai trouvé en grande surface et que les youtubeuses agitent souvent sous votre nez, elles en parlent beaucoup, ce sont les gels douche cottage. Avant d'être une youtubeuse, je suis surtout une grande regardeuse de vidéos et donc j'ai souvent vu des youtubeuses françaises nous parler de ces super produits. Ils sont pas disponibles en Belgique et si vous commencez à les commander sur Amazon, plus les frais de port et les trucs comme ça, ça n'en vaut pas la peine. Du coup, je me suis dit, ben, je profite d'une fois où je suis en France et que je passe par un supermarché, parce que bon, je passe toujours par un supermarché, je vais voir et j'en prendrai. Et donc... ben, je les ai trouvés, ils sont pas très chers, c'est environ 3 euros la bouteille de 250 ml. Alors j'ai pas trouvé tous les parfums que j'aurais aimé sinon j'aurais acheté tout le rayon. J'en ai trouvé 4, fraise menthe, il y a coin et lait vanillé, j'ai aussi guimauve. Et alors j'ai trouvé aussi ananas et crème de coco. Et je les ai testés maintenant tous les 4 et c'est vrai qu'ils sont vraiment bien. Faut dire ce qui est, l'odeur est vraiment très agréable. C'est pas chimique comme odeur, c'est assez naturel. Il y a juste la guimauve qui fait bonbon, donc je peux pas dire vraiment que c'est pas chimique. Mais c'est vraiment très sympa, l'odeur reste sur la peau mais très délicatement, ça nourrit assez bien la peau. Au niveau de la composition c'est pas mal du tout, au niveau respect de l'environnement aussi. Donc je me suis dit, ben, prochaine fois que je reviens en France, j'en prendrai. Et puis si je peux vous en recommander, hein, franchement, c'est le fraise menthe. Oh, à chaque fois que je le sens celui-là, ben, il me rend folle, quoi. Je sais pas, ça sent le yaourt. Le yaourt à la fraise, ça me... Oh, après je sniffe mon bras toute la journée, je crois qu'on me prend pour une folle. Mais vraiment, je vous le recommande, il est top. Alors on a fini pour les produits de grande surface. Je suis ensuite passée par une parapharmacie. Et là j'ai trouvé différentes petites choses. Faut savoir qu'en Belgique on a les produits Nuxe. Mais moi personnellement jusqu'à présent je ne trouve pas les Nuxe bio. Donc bah, par exemple mon déodorant j'ai été contrainte de prendre un Nuxe normal alors que j'aimais vraiment beaucoup le Nuxe bio dont l'odeur est beaucoup plus délicate et je le trouve d'ailleurs beaucoup plus efficace. Et donc bah, c'est en allant en France qu'à chaque fois que je le retrouve. Donc j'en ai profité,
J'en ai repris, j'en ai pris deux. Donc c'est le Bio Beauté by Nuxe. Et avant ils étaient roses, maintenant ils sont jaunes. Mais l'odeur, pour moi l'odeur est la même. Ça sent un peu le bonbon. Mais très 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 légèrement, ils sont très très efficaces. Et avant je prenais des déodorants en spray, mais je sais que c'est pas bon pour la peau. Et j'étais très réticente de prendre des déodorants à billes. Parce que je sais pas, j'avais l'impression que c'était moins frais déjà, et ensuite j'avais l'impression que ça allait coller sous mes aisselles, coller aux vêtements, et que c'était pas extra. Alors qu'en fait, avec celui-là, j'ai pas du tout ça. La fraîcheur, elle est au rendez-vous, franchement, c'est très très efficace, et ça, en fait, ça se dépose assez rapidement sur la peau et ça sèche très vite. Donc, moi qui étais contre les roll-on, et ben celui-là, il est juste parfait en fait. Alors j'en ai profité aussi pour me racheter mon eau de beauté que j'avais en petit format d'abord pour tester. Et donc là-bas je l'ai vue en grand format avec un packaging très très joli. J'avoue que j'ai été un petit peu séduite par le packaging. Et je sais que je l'aime bien et que je l'utiliserai encore. Donc c'est un fixant pour maquillage, mais c'est aussi une eau très fraîche qui réveille la peau le matin et que j'aime bien pulvériser sur ma peau juste avant de mettre ma crème hydratante. Je fais ça en été parce que il y a pas mal d'huiles essentielles, ça peut être un petit peu irritant pour certaines personnes. Et moi c'est un petit peu irritant plutôt en hiver. Pas en été mais plutôt en hiver. Donc c'est un truc que j'aime bien utiliser l'été. Alors, à côté de ça, j'ai eu envie de tester de nouveaux produits aussi. Donc, je peux pas vraiment vous dire ce que j'en pense sur le long terme. Mais en tout cas, pour les quelques fois que je les ai utilisés, je les trouve très bien. Donc, j'ai pris le Bio Beauté, l'exfoliant doux. J'en avais déjà un qui était de Clinique, qui est celui le ultra doux scrub qu'on peut utiliser tous les jours si on veut et que je trouve en fait très agressif, qui m'irrite vraiment très très fort la peau, donc j'utilise une fois par mois. Et celui-ci aux fruits rouges, déjà ils sont super bons. Ça peut paraître un détail, mais ça, pour moi ça n'en est pas un, et je le trouve beaucoup plus doux. Je trouve très efficace pour ce que j'en ai testé. Ça désincruste bien, moi qui ai des petits points noirs, des petites imperfections au niveau du menton, je le trouve pas mal. Et je trouve beaucoup beaucoup plus doux. Donc si vous cherchez un exfoliant doux, je vous conseille plutôt d'aller vers ce produit-ci. Donc très sympa. Alors j'ai aussi été tentée par un produit qui avait été médaille d'or beauté 2015, et c'est un masque détox vitaminé qui sent les agrumes. Et c'est marrant parce que j'aime bien le packaging. Donc en fait ça ressemble vraiment à une gelée orange à l'intérieur. Donc ils sont super bons, et c'est un masque que je trouve assez sympa à utiliser parce que c'est pas le genre de masque, vous savez, à l'argile qui sèche sur la peau, qui est désagréable. Non, c'est un truc très crémeux qu'on met sur la peau et qui après au contact de l'eau devient un truc un peu lacté et nourrissant, et donc ça laisse une peau toute douce. C'est le genre de masque que moi j'aime bien utiliser. Donc celui-là aussi, je vous le recommande, et même pour peau sensible, franchement, c'est top. Alors on a fait le tour pour la parapharmacie. Je suis passée par un Nocibé pour aller chercher quelque chose de très très particulier que j'avais vu et qui n'était pas disponible en Belgique. Et c'est le parfum Terracotta de Guerlain, donc l'édition spéciale. Vous connaissez certainement toute la poudre, le bronzer de Guerlain. Moi j'ai plein de poudre Guerlain, j'aime bien Guerlain. Et puis ils ont sorti cette édition parfum, et j'avais lu pas mal d'avis positifs dessus, et il faut dire quelque chose, c'est que mon chéri a vécu à Tahiti pas mal d'années, et en fait ce parfum est très fleur de tiare, vanille et tout ça. Et donc je me suis dit, c'est le genre d'odeur qu'il aime bien, je me dis que si je le porte ça va peut-être lui plaire. Donc j'ai été chez Nocibé, il l'avait. Je l'ai senti sur place, je suis tombée redingue amoureuse de ce parfum. Il est pas très cher pour un parfum Guerlain parce que c'est 100 ml, et je crois qu'il est à une soixantaine d'euros, ce qui est pas très cher vraiment. Et donc c'est une eau de toilette, mais pour une eau de toilette je trouve qu'elle tient vraiment bien. Parce que fin de journée, je trouvais que je sentais encore bien, et si jamais je passe ma main dans mon cou,
Après, mes doigts sont super forts, donc il tient très bien. Le flacon est super joli avec cette espèce de petit médaillon doré ici avec un soleil. Et je vous dis vraiment au niveau des notes, c'est très floral, très ensoleillé, très... On a l'impression d'être sur la plage, de se passer de l'huile, de boire une coco fraîche et de sentir la fleur de tiare et des trucs comme ça. C'est super chouette pour l'été quand il fait chaud. C'est un délice ce parfum, donc je suis super contente de l'avoir acheté et franchement je vous le recommande parce que contrairement à ce que j'imaginais au départ, c'est une odeur sucrée mais pas trop entêtante. J'avais peur d'être écœurée, moi qui suis vite écœurée par les parfums, et ben là pas du tout, c'est juste ce qu'il faut, la dose qu'il faut et pas entêtante, vraiment quelque chose de doux et en même temps d'ensoleillé. Donc voilà, petite découverte vraiment super. Et dernière chose... sur le retour en allant à Lille, on est allé au centre commercial Euralille et je ne savais pas qu'il y avait un Sephora. Oui, j'avoue, je ne savais pas. J'ai vu qu'il y avait un Sephora et je me suis dit, bon, passe par le Sephora. C'est la première fois que tu mets les pieds dans un Sephora. Vas-y, fais-toi plaisir. Et je me suis autorisée à me faire des petits plaisirs parce que, si vous regardez mes autres vidéos, vous savez que je suis quelqu'un de très angoissée. Et le centre commercial, et quand il y a beaucoup de monde, c'est toujours un petit peu dur pour moi. Et là, j'étais plutôt détendue, j'ai bien géré. Je me suis dit, bon, à partir de ce moment-là, je m'octroie une petite récompense. Je vais me faire un petit peu plaisir et trouver des produits que, évidemment, on ne trouve pas en Belgique. Alors, bien sûr, sur Sephora, on peut tout à fait envoyer vers la Belgique. Seulement, il me semble qu'il y a des frais de port. Je trouve ça assez logique qu'il y ait des frais de port. Et aussi, il y a autre chose, c'est que je trouve malgré tout que quand on peut pas tester le produit, en tout cas pour les produits que je voulais acheter, bah ça m'embête un petit peu, c'est un petit peu qui tout double et c'est pas toujours des produits ultra bon marché, donc si je suis déçue et que j'ai dépensé 25€ pour ce produit, ça m'embête un peu quand même. Donc j'ai eu envie de les voir en vrai, c'est un truc que je vous conseille, si vous savez que vous passez par la France, attendez un petit peu avant d'acheter quelque chose en ligne, même si Sephora vous permet d'acheter en ligne, c'est un bon truc pour les Belges. Attendez peut-être un petit peu, patientez et dès que vous êtes en France, allez voir ne fût-ce qu'en magasin, regardez sur votre peau ce que ça donne et laissez-vous tenter peut-être à ce moment-là, ça peut être un bon truc. Donc je passe au produit parce que là je m'en sors plus. Alors la première chose c'est que j'ai acheté le mascara des Real de chez Benefit et je ne l'ai pas pris en noir, je l'ai pris en bleu. Alors je l'avais vu sur internet, j'avais vu des photos, je trouvais l'effet très joli. Ça faisait longtemps que je voulais un mascara bleu. C'est quelque chose que je trouve qui peut faire assez vulgaire, le mascara bleu quand c'est un peu bleu turquoise. Je trouve que c'est quelque chose qui va pas aux yeux bruns, désolée pour les yeux bruns. Je trouve par contre que c'est quelque chose qui peut très bien aller aux yeux clairs. Et ici je l'aime vraiment beaucoup parce que c'est un bleu assez électrique. Qui se marque, qui se voit mais qui ne se voit pas trop non plus. La brosse est topissime, ça fait pas de paquet, ça donne du volume et en fait je trouve qu'il va particulièrement bien avec les ombres à paupières un petit peu vertes ou bleues très claires. Ça met vraiment fort en valeur, c'est un achat que je regrette pas du tout. Je le trouve vraiment top comme mascara et si vous cherchez un mascara couleur, je sais qu'ils l'ont en vert aussi. Oui, je crois qu'ils l'ont en vert. Ou alors c'est pas chez eux qu'il est en vert. C'est peut-être chez Make Up For Ever que j'ai vu un beau vert aussi. Mais en tout cas, chez les deux, que ce soit chez Make Up For Ever ou que ce soit chez Benefit, ils ont des très très belles couleurs. Et je pense vraiment que si je dois prendre encore un mascara couleur, c'est chez eux que j'irai. Et donc il est à 25€. Mais bon, je me dis 25€ pour un mascara, c'est sûr que c'est pas donné. Mais moi, les mascaras, généralement, je les garde longtemps, quoi. Donc... Je me tracasse pas avec ça, c'est 25€ et je le garde un an donc ça ira. Vraiment très chouette découverte. Alors j'ai eu aussi un énorme coup de cœur qui n'était pas du tout prévu. Je suis allée du côté de Make Up For Ever parce que j'aime beaucoup leurs produits, j'en entends beaucoup de bien et la fois où je les avais testés j'avais été très contente, c'était une poudre, je la trouvais vraiment très bien. Et donc je suis passée à côté des fards à paupières et là je suis tombée amoureuse, complètement. J'ai vu une couleur, mais une couleur, un truc de fou. Et donc en fait c'est la D236 et c'est un... comment vous décrire cette couleur quoi? C'est celle que je porte là, ici. C'est un bleu avec des reflets verts.
C'est ultra ultra pailleté, c'est très concentré, très pigmenté, ça tient super bien sur les yeux, c'est magnifique parce que j'ai testé avec le primaire et sans le primaire et franchement, bah l'un comme l'autre en fait ça change pas grand chose. Peut-être que la couleur est un poil plus concentrée avec le primaire, voilà, mais à part ça je voyais pas de différence. Ça tient toute la journée et surtout j'ai eu plein de compliments dès que je l'ai porté, on m'a dit oh dis donc ça fait ressortir tes yeux, c'est beau. Et donc même si c'est pas pour le mettre au-dessus parce que c'est très flash, ne fût-ce qu'une petite ligne en dessous de l'œil, c'est canon. Et je trouve à nouveau qu'avec les yeux clairs, les yeux bleus, les yeux gris, les yeux verts, c'est le genre de truc qui est absolument magnifique. Je l'ai même porté avec le mascara bleu des Real et oh là là la vache, mais quelle ombre à paupières quoi. Et donc celle-là, elle est à 22,50. C'est la première fois que je paye aussi cher pour une ombre à paupières toute seule. Je vous avoue, c'est un gros craquage, ça, de ma part. Mais oh, je pouvais pas la laisser sur place et m'en aller, quoi. C'est un peu la couleur de mes rêves. C'est la couleur, j'ai l'impression que c'est la couleur que je cherche depuis longtemps. Et je fais, oh, elle est pour moi. Donc j'ai un peu l'impression que je la portais quasi tous les jours, tellement je l'aime. Mais franchement, si je vous recommande une couleur, c'est celle-ci. Si vous avez les yeux clairs, c'est celle-ci, pas une autre. Alors, deux autres choses que je vais vous présenter, c'est du vernis à ongles. Alors, c'est marrant de me présenter du vernis à ongles, moi qui ai les ongles en gel. Hein. C'est vrai, j'ai les ongles en gel, mais je mets du vernis à ongles sur mes pieds et j'aime bien qu'il soit beau, mon vernis à ongles. Donc, j'ai vu les vernis Marc Jacobs. J'en ai entendu beaucoup de bien, j'aime bien leur bouteille aussi, et puis j'ai vu une couleur, oh là là, une couleur qui m'a séduite directement. Je crois que c'est la 136 en fait, c'est bizarre. C'est la 136, non, oui, 136 et en dessous il est marqué 144, c'est étrange, mais c'est la 136 quand même. Donc c'est ceci, c'est un rouge très très métallisé, le flacon est magnifique, on est d'accord. Hein. Et ça me, je sais pas, ça me faisait penser à la fois un rouge à lèvres et en même temps une voiture italienne. Et je me disais que en vernis à ongles, j'ai pas beaucoup de rouge parce que je trouve ça toujours flash et pas forcément facile à porter. Et celui-là, je me suis dit, à la fois, je le trouve osé, je le trouve assez original au niveau de sa teinte et de son côté pailleté et métallisé. Et en même temps, je pense que ça peut faire très habillé. Donc finalement, il regroupait un peu tout ce que je cherche chez un vernis. Et du coup, j'ai craqué. J'ai vraiment craqué. Il est beau, il est vraiment très beau. Alors si vous cherchez des vernis avec des teintes soutenu, assez original. Je vous conseille vraiment d'aller chez Marc Jacobs parce que j'en ai vu d'autres du style un jaune citron, un orange vraiment vraiment flash, un dans les mauves et c'est le genre de couleur que je regarde pas d'habitude en vernis. Je trouve ça très fort comme couleur. Et là, je sais pas, il y a un équilibre en fait dans ces vernis. Chez Marc Jacobs, il y a quelque chose qui fait que j'avais envie de prendre toutes les teintes. Donc vraiment, vous cherchez un beau vernis, habillé et en même temps voyant, Marc Jacobs est là pour vous. Bon, soyez prêts à dépenser 20 euros le vernis quand même. Alors, dernier vernis. Oui, encore un vernis. C'est un vernis Ciaté. Ils sont beaucoup moins chers, c'est 9 euros, 9 ou 10 euros le vernis. Et en fait, je l'ai vu et j'ai craqué aussi. En fait, c'est un vernis très pailleté, donc il est très translucide. Et bah, plus on passe de couches et plus ça devient opaque, c'est ça qui est chouette. Il sèche très très vite, j'étais étonnée. Et en fait, il est à paillettes et c'est orange, orange, rose, c'est un petit peu coucher de soleil. Voilà, c'est la teinte que je tiens à dire, c'est coucher de soleil. Il s'appelle par contre ici Love Letter. Donc c'est très romantique tout ça. Mais je le trouve doux et en même temps très irisé avec des couleurs changeantes. C'est aussi le genre de choses que j'aime bien. Et puis je suis toujours prête à assumer plus facilement un vernis qui est translucide avec plein de paillettes. Parce que je trouve qu'il est un peu modulable et que en fonction de ce qu'on veut, on peut intensifier en mettant plusieurs couches ou faire léger. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Et c'est une couleur que j'avais absolument pas. Et c'est une couleur que j'avais même pas encore vue jusqu'ici. Donc c'est vraiment aussi un vernis que je vous recommande parce que la couleur, je la trouve très originale.
Bon ben voilà, j'ai fait le tour de mon shopping. Vous voyez que j'ai quand même été raisonnable. Le produit le plus cher que j'ai acheté, ben, c'est un parfum à 60 euros. J'ai quand même essayé de faire attention, même s'il y avait des choses qui étaient tentantes. Donc vous voyez que c'est quand même pratique quand on voyage un petit peu de ramener des choses qu'on trouve pas dans son pays pour éviter de payer des frais de port. Ici c'est en France, mais ça marche dans plein d'autres pays. Je veux dire, il y a des choses super à trouver en Italie, en Espagne ou ailleurs. Donc c'est un conseil que je vous donne pour éviter d'importer des choses, éviter de payer des frais de livraison ou même des frais de douane si jamais vous devez acheter des choses aux États-Unis. Profitez que quelqu'un parte là-bas ou que vous partiez là-bas pour demander à ce qu'on vous ramène ou vous ramenez dans votre valise. Je pense que c'est un bon truc. Alors ici, pour la France, je m'adressais surtout aux Belges, mais pour les Français aussi. Il y a aussi des choses intéressantes à trouver en Belgique. Il y a des marques belges qui sont vraiment pas mal du tout. Je pense notamment à une marque, donc je ne peux pas encore vous parler parce que je vais très bientôt, je pense, faire une vidéo sur vraiment une gamme de produits belges que je pense qu'ils sont inconnus ou quasi inconnus en France et qui sont vraiment magiques, donc c'est des soins pour la peau et je veux d'abord les tester suffisamment longtemps pour pouvoir vous en parler, mais par exemple c'est quelque chose que vous pouvez venir acheter en Belgique ou vous pouvez commander sur site internet avec frais de port hein, comme d'habitude, mais il y a aussi des petits trésors à trouver en Belgique en dehors des frites, du chocolat, des spéculoos, de la bière et tout ça. Donc voilà, j'espère que mon shopping vous a plu et vous a donné des petites envies de craquage, dont par exemple une ombre à paupières, Make-up Forever, dont je ne peux plus me passer. Si vous aussi vous avez des bons plans à partager ou que vous connaissez des bonnes adresses pour se procurer tel ou tel produit, n'hésitez pas. Moi je suis preneuse, je pense que d'autres personnes seront preneuses aussi. Je pense que je vais arrêter la vidéo là, j'ai assez parlé pour aujourd'hui, je vous fais plein plein de gros bisous et je vous retrouve très vite.